Profitons de cette belle journée estivale avant le retour des orages. En effet, une dégradation pluvio-orageuse nous attend dès ce soir. En attendant, pour ce matin, il faudra encore composer avec de nombreux nuages sur la moitié nord, davantage d'éclaircies à l'est, mais encore quelques gouttes de pluie par la Bretagne. Ces nuages sont tout simplement en marge d'une perturbation circulant sur les îles britanniques. En revanche, plein soleil en direction de la moitié sud et dans l'après-midi, eh bien, le ciel va commencer à se voiler par le sud-ouest. Donc justement, ça c'est l'amorce de cette dégradation dont je vous ai parlé, pluvio-orageuse qui arrivera donc dès ce soir par les Pyrénées qui progressivement remontera les régions du nord. En attendant, encore un petit peu de pluie hein, près de la Bretagne, malheureusement, et du vent modéré, 70 km/h près de la Méditerranée. Passons maintenant aux températures qui restent stationnaires en matinée, entre 11 et 17 degrés en général, avec quelques degrés de plus là encore près du pourtour méditerranéen. Et puis donc dans l'après-midi, ça sera littéralement une France coupée en deux avec les conditions anticycloniques au sud. Ça fait remonter le mercure. Regardez, 32 degrés du côté de la vallée de la Garonne, contre seulement 18 degrés hein, sous les pluies du côté de Brest, 22 degrés pour les côtes de la Manche et 24 degrés du côté de la capitale.